Merci Michel. En tout cas, bon, c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à cette fête de la philo que Michel organise depuis des années. Je suis vraiment très heureux d'être là. Alors effectivement, cette année, donc, petite innovation, j'ai préféré ponctuer mon discours d'un certain nombre de points de repère pour vous permettre peut-être d'y voir un petit peu plus clair dans mon cheminement. Et puis surtout que j'ai décidé d'illustrer un certain point que je vais développer par des petits extraits vidéo qui renvoient essentiellement à des films qui me semblent illustrer le thème de la sécurité. Voilà. Donc j'ai essayé de limiter le plus possible l'influence de l'image, hein, pour pas qu'on soit distrait justement par ça. Alors, donc, voilà, alors le thème que j'ai choisi de traiter, c'est bon, vivre en sécurité, fantasme ou réalité. Bon, alors c'est vrai que la question de la sécurité est incontestablement un enjeu majeur de nos sociétés contemporaines. On entend beaucoup parler de sécurité partout. Ça a été d'ailleurs un thème majeur de la dernière campagne électorale que nous avons vécue. C'est un enjeu fort des sociétés contemporaines. Il y a incontestablement un besoin, une attente sur le plan de la sécurité. C'est un des aspects donc de la demande contemporaine de sécurité, c'est qu'elle s'est déplacée sur l'individuel. Maintenant, c'est l'individu qui demande de la sécurité. Elle n'est plus simplement, seulement, plutôt le propre de l'État. Alors, donc, la question de la sécurité, bon, si elle a toujours été donc une préoccupation majeure. Les individus aujourd'hui réclament de vivre en sécurité et réclament que de l'État qu'il assure cette sécurité. Donc le problème est de plus en plus sensible depuis que nous vivons dans un monde globalisé, avec cette ouverture des frontières. On est passé d'un monde solide à un monde liquide, hein, puisque les frontières se sont ouvertes. Et donc la question de la sécurité se pose aussi par rapport à ce thème des frontières, l'idée étant que la menace vient de l'extérieur et que donc pour remédier à cette menace, eh bien, il faudrait fermer les frontières. Je rappelle que ce thème des frontières a été aussi un des points centraux de la campagne électorale d'un des candidats, vous voyez à qui je fais référence, avec cette idée que le problème viendrait justement d'une sorte de circulation trop facile dans l'espace Schengen, et que donc l'idée est de verrouiller cet espace Schengen pour que les Européens puissent vivre tranquillement entre eux et que les menaces, notamment de terrorisme, etc., parce que si vous voulez, il y a une double problématique au niveau de la sécurité. Il y a la sécurité des individus, puis il y a la sécurité de l'État, avec aussi le problème du terrorisme. Le terrorisme, c'est une double menace, d'une certaine manière, puisque il peut aussi bien porter atteinte à l'État qu'aux individus. Quand il y a des attentats, par exemple, il y a toujours des morts civiles, des innocents, comme on dit. Hein. Bon, voilà. Alors, c'est en même temps aussi une tentative de déstabilisation de l'État. Alors, donc, donc, ces flux migratoires, finalement, inquiètent beaucoup. Et donc, on aimerait bien se retrouver entre nous dans un espace culturel protégé et surtout éviter que cet espace culturel soit menacé d'une manière ou d'une autre. Notamment, l'idée qui a été développée par un autre candidat d'accorder aux immigrés un droit de vote aux élections municipales a servi de repoussoir, justement, pour un autre candidat qui s'en est prévalu, justement, pour dire « Attendez, là, vous ne vous rendez pas compte, etc. On va être menacé dans notre intégrité culturelle. » Voilà. Alors, là, incontestablement, on a affaire à ce que j'appellerais une crispation sécuritaire. Parce que elle n'est pas toujours justifiée, hein, pour différentes raisons. Elle relève plus du fantasme, d'ailleurs,
le fantasme de cette menace qui vient de l'extérieur pour porter atteinte au monde dans lequel je vis et auquel je tiens. On trouve ce thème habituellement, si vous voulez, c'est un thème récurrent au niveau de l'extrême droite. Hein. On pourrait, à partir de là, faire un amalgame entre une exigence de sécurité et les idées réactionnaires de ces partis d'extrême droite, qui considèrent que c'est toujours l'autre, je mets des guillemets, l'autre, qui est responsable des maux de notre société, de nos malheurs. Nous-mêmes ne sommes pas responsables, c'est toujours l'autre, celui qui est là, qui se faufile à travers les frontières et qui vient nous menacer. C'est finalement toujours, c'est vraiment une attitude qui consiste à désigner un bouc émissaire. Ce bouc émissaire, cet étranger, cet autre, introduirait des dérives anarchiques dans un monde qui serait au départ rigoureusement ordonné. Et là, il y a un exemple, si vous voulez, qui me vient à l'esprit. Je suis toujours en train d'introduire mon exposé. Donc, je vous indiquerai quand je passerai dans les différents moments de cet exposé. Vous voyez qu'il comporte trois moments distincts, l'introduction, trois moments distincts, et une conclusion qui essaiera de faire une petite proposition modeste, mais qui sera soumise à discussion concernant le problème de la sécurité. L'exemple qui me vient à l'esprit pour illustrer ce que je viens de dire, c'est l'affaire Mohamed Merah, qui s'est déroulée pendant la campagne électorale, qui a d'ailleurs à un moment suspendu cette campagne électorale, tellement cela semblait être un enjeu national. Alors c'est vrai que c'était une affaire assez impressionnante, mais elle a été, faut être clair là-dessus, immédiatement récupérée d'un point de vue politique. Et dire, voilà, moi j'assure la sécurité, on a réglé cette affaire très rapidement. Alors c'est vrai. D'une certaine manière, il fallait arrêter cette personne le plus rapidement possible. Bon, il a été tué. Voilà. En tout cas, on a vu l'assaut très impressionnant des forces de l'ordre. Au point d'ailleurs qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans l'exposé, il y a comme une sorte d'ambiguïté, de quelque chose quand même, dans ces hommes cagoulés, armés jusqu'aux dents, et qui font irruption comme ça, cet état de guerre, quoi. Ça fait un peu froid dans le dos. Et on se dit, mais peut-être qu'un jour, ils viendront frapper aussi à notre porte. Enfin, en tout cas, c'est se dire, bon, ils sont là pour nous protéger, grâce à eux, on est en sécurité, mais peut-être qu'ils génèrent eux aussi une forme d'insécurité. En tout cas, il est clair qu'on a mis hors d'état de nuire cette personne. Bon, mais en même temps, c'est très significatif de la manière dont la sécurité est utilisée à des fins politiques ou à des fins électoralistes, comme c'était le cas ici. Donc on peut dénoncer peut-être ces dérives sécuritaires, cette espèce de surenchère, cette manière de jouer sur la peur, finalement, parce que peut-être que la sécurité, au fond, c'est pas ça. Ces dérives sécuritaires font de la sécurité un besoin, sans voir que la sécurité, c'est aussi un état de fait créé par un certain type d'organisation sociale, sans voir que la sécurité, pardon, n'est pas un état de fait créé par un certain type d'organisation sociale, mais souvent, étonnamment, le résultat d'un calcul rationnel. Et aujourd'hui, on a cette tendance qui est très marquée dans les sociétés contemporaines et qui tourne autour de ce que j'appellerais le calcul du risque. Exemple, un exemple très simple pour comprendre cet aspect des choses. Choisir, par exemple, quand il y a eu l'épidémie de grippe H1N1, il y a 2 ans, de se faire vacciner contre le virus. Alors, ce n'était pas forcément s'opposer
au principe de la vaccination, ni se délecter du risque couru, mais calculer qu'un risque, finalement, les effets d'un vaccin préparé un peu à la hâte, pouvaient être nettement, les effets négatifs d'un vaccin préparé à la hâte, pouvaient être nettement plus dommageables que de prendre le risque d'attraper la grippe, et finalement d'avoir de la fièvre quelques jours, mais finalement de s'en sortir sans trop de problèmes. Donc ici on a clairement l'idée que finalement la sécurité peut-être relève d'un risque ou d'un calcul, et que au fond ne pas se vacciner était peut-être plus sûr que de le faire, alors qu'on nous présentait la vaccination massive comme une sécurisation, comme un moyen d'échapper au spectre de la grippe espagnole qui avait fait en 1918 plus de morts que pendant la Première Guerre mondiale. Bon. Alors, donc on voit que le problème de la sécurité, c'est pas forcément simplement quelque chose qui relève d'une option sécuritaire, de la mise en place de forces de l'ordre très performantes qui empêchent les terroristes de nuire, etc. C'est aussi quelque chose qui relève d'une position personnelle ou d'un calcul rationnel. On a une double orientation finalement de la sécurité. D'une part, la sécurité renvoie à une organisation étatique destinée à sécuriser le territoire dans lequel on vit. Et d'autre part, elle peut être aussi le résultat d'un calcul, quelque chose qui relèverait d'un principe de précaution, comme on le verra plus en détail dans la troisième partie. À l'inverse de cette perspective sécuritaire, cette crispation sécuritaire, ou cette sécurité comme calcul, finalement, bon, on a aussi des positions qui consistent à dire que si on bascule trop du côté de la sécurité, on risque de ne plus rien faire, d'être inactif, de s'enfermer chez soi, parce que sortir, faire un pas dans la rue, c'est déjà risqué, et que donc la sécurité maximale, ça serait de se bunkériser, en quelque sorte, hein, de s'enfermer chez soi à double tour. Mais du coup, faire ça, finalement, c'est ne plus rien faire. Et donc, il y a l'idée ici, si vous voulez, que vivre, de toute façon, c'est risqué, on risque toujours quelque chose, et que par conséquent, il n'y a jamais de sécurité absolue, puisque la vie elle-même est un risque, d'une certaine manière. Et que, donc, par conséquent, si on était crispé sur la sécurité, on finirait par ne plus rien faire, par être inactif, alors on vivrait tranquille, certes. Mais cette tranquillité, ça serait celle dont parle Kant dans son opuscule sur l'histoire, l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, dans la quatrième proposition, où il dit « Nous mènerions, dans ce cas-là, une existence de berger d'Arcadie, dans une concorde, un contentement et un amour mutuel parfait. Les hommes doux comme des agneaux, qu'ils paissent, ne donneraient à leur existence une valeur guère plus grande que celle de leur bétail. » Bon. Alors, donc, du coup, y a cette idée que, ben voilà, l'existence, la vie, c'est risqué, donc, ben, il faut y aller. Ben, si ça nous retombe dessus, tant pis, mais on ne peut pas rester immobile et ne rien faire. Peut-être que l'ennui qui serait généré justement par cette immobilité, par cette tranquillité, serait encore pire que même le risque de mort qui peut être permanent en fonction des activités qu'on peut avoir. Seulement, il peut y avoir aussi, par rapport à cette idée, une sorte de, comment dirais-je, de dérive un peu perverse qui consisterait à dire justement parce que si le risque est présent partout, rien n'est assuré. Alors, donc là, on serait un peu dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'on ne pourrait rien sécuriser, y compris le travail. Et donc, on pourrait dire à ce moment-là, ben voilà, écoutez, vous êtes licencié, mais vous savez bien que la vie
est placé sous le signe du risque. C'est pas une rente, le travail, donc vous êtes licencié, ben voilà, c'est comme ça. Bon, ben ça veut dire qu'il va falloir vous mettre en activité pour chercher un autre travail, etc. Bon, alors ça, c'est un discours qu'on entend aussi paradoxalement chez ceux qui sont partisans d'une mobilité dans le travail, hein, et qui voudraient bien avoir les mains libres, par exemple, pour licencier comme ils l'entendent. Ben, ce discours, on l'a entendu, par exemple, dans la bouche de Parizeau, hein, la patronne des patrons, qui dit, ben voilà, écoutez, vivre, c'est risqué, on vit dans un monde dangereux, donc vous perdez votre travail, ben, c'était un risque, vous n'êtes pas embauché à vie, donc voilà. Bon, alors, voyez comment on peut réutiliser. Vous voyez, c'est une approche un peu paradoxale. Donc, en travaillant cette notion de sécurité, on voit qu'il y a des demandes un peu contradictoires. Il y a d'un côté, donc, vraiment une demande de sécurité, on veut être protégé, bon. Elle a un sens aussi bien collectif qu'individuel. Et puis d'un autre côté, il y a aussi ces discours qui consistent à dire... Alors ça pourrait être un discours nietzschéen aussi, ça. C'est-à-dire que vraiment le risque, c'est ce qui donne son piment à l'existence. Alors d'accord, de ce côté-là. L'idée, par exemple, très nietzschéenne, qui consisterait à faire de sa vie une œuvre d'art. Hein, et que donc, on serait en permanence comme ça, dans une position... entre deux abîmes, comme dit Nietzsche, hein, un pont entre deux abîmes, où à chaque pas on risque de tomber. C'est très stimulant, ça. Oui, mais quand c'est récupéré de cette manière, eh ben c'est... Voilà, il y a une espèce de perversion, peut-être, de l'idée, à la base. Alors certes, je pense que l'homme n'est pas fait pour la tranquillité, mais je crois aussi qu'il a besoin d'un minimum de sécurité. D'un côté, un risque maximal. D'un autre côté, une absence de risque, mais l'inaction absolue. Eh bien, notre réflexion nous conduira à essayer de trouver une solution pour sortir de ces deux perspectives un peu opposées. Enfin, c'est un peu un miroir que nous tend la société contemporaine. Où se situe la sécurité ? Ben, elle se situe certainement... ailleurs que dans les deux perspectives que nous avons développées, ou en tout cas, elle va se donner à nous dans une complexité que nous n'avions pas peut-être saisie au départ, et qui va au fur et à mesure, d'ailleurs c'est un peu, moi quand j'ai travaillé mon exposé, petit à petit, c'est, je ne savais pas du tout où j'allais m'orienter au départ, et petit à petit en travaillant, on s'est dit, eh oui, mais ça paraît simple la question de la sécurité, mais ce n'est pas simple. C'est pas simple parce que, justement, vous voyez que là, on est tiraillé entre deux perspectives opposées. Où est-ce qu'elle est, la sécurité ? Alors, sans doute que trop de sécurité tue l'action. Et dire « vivre, c'est risqué », eh ben, ça veut dire qu'on ne peut se raccrocher à rien, même pas à un endroit où on pourrait mourir en paix. Car c'est inéluctable. La mort, hein, un endroit où on pourrait mourir en paix. Donc ça veut dire qu'on serait dans une telle insécurité qu'on n'aurait même pas d'endroit familier où on pourrait mourir en paix. Et vivre en paix aussi. On a besoin de se sentir bien dans un espace sécurisé. Vous avez besoin, quand vous êtes chez vous, de vous créer, non pas un cocon, mais un endroit où vous avez des repères, où vous êtes bien. C'est bien beau de dire « vivre, c'est risqué », mais enfin, quand même, on a besoin aussi de se poser. Les bateaux qui affrontent les tempêtes dans l'océan arrivent dans des ports à un moment donné. D'accord ? Voilà. Alors, voilà. Donc, c'est un peu, si vous voulez, cette perspective que je vais développer. Donc, c'est un peu le problème que je vais essayer de traiter. Avec, d'un côté, donc, une sécurité, comme on l'a vu, qui réclame toujours plus de protection, de barrières, de frontières. Une autre approche qui voudrait s'affranchir de toute sécurité. Eh bien, je crois que la vérité sur la question de la sécurité, elle est sans doute dans, non pas entre les deux, mais dans une reprise plus complexe du problème de la sécurité. C'est-à-dire dans une autre approche, une approche plus fine, plus complexe de cette question de la sécurité.
parce que je me suis rendu compte, en fait, quand je travaillais l'exposé, qu'elle est souvent, elle relève de la caricature. Hein? On a des positions souvent caricaturales sur le plan de la sécurité. Et donc, je crois qu'il faut essayer de mettre en œuvre. Alors moi, je vais simplement me contenter de donner quelques pistes. Hein. Je n'ai pas la prétention de régler le problème aujourd'hui, mais d'ouvrir au contraire le débat. Donc d'essayer de vous proposer comme ça un cheminement autour de la question de la sécurité pour voir si on peut trouver des choses qui permettent une pensée de la sécurité. Voilà, c'est l'objectif que j'ai, c'est voir s'il est possible de mettre en œuvre une pensée de la sécurité. Alors, donc là, on passe maintenant à la première partie de mon exposé. Vous avez le plan au tableau. Y a-t-il un impératif politique de sécurité ? Dans cette première partie, je vais essayer donc de voir si on peut trouver des fondements aussi bien philosophiques que politiques à la question de la sécurité. Pour répondre à cette question, donc on part de l'idée que, mais c'est pas faux hein, d'une certaine manière, que la question de la sécurité renvoie à la conviction que la sécurité relève de la responsabilité de l'État. Bon, c'est l'État qui doit sécuriser la vie sociale, hein, qui doit faire en sorte que on puisse vivre en relative bonne entente les uns avec les autres, et que par conséquent, il faut développer des services, la police, la justice, qui encadrent cette vie sociale. Parce que, vous savez, politique, le mot politique vient du grec polis, P-O-L-I-S, qui veut dire cité-État, hein. Et la politique n'est rien d'autre, finalement, que l'organisation de la vie en commun des hommes dans la cité. C'est ça que ça veut dire politique. Hein. Donc, pour organiser cette vie en commun des hommes dans la cité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut un cadre juridique, des lois et une instance capable de faire appliquer ces lois, quitte à adopter une démarche répressive pour ceux qui seraient récalcitrants, qui ne voudraient pas se plier à la règle commune. Donc vous voyez que la sécurité, c'est même presque un préalable pour ce qui est de la vie en commun des hommes, parce que sinon il n'y a pas de vie en commun possible. On verra que le philosophe anglais du XVIIe siècle, très connu Thomas Hobbes, en fait un préalable de cette question de la sécurité, parce que sans sécurité, rien n'est possible. Pourquoi ? Ben parce que les hommes, peut-être que si on les laisse faire, peut-être qu'ils pourraient bien faire n'importe quoi, hein. Ça serait un petit peu délicat en tout cas, ça serait difficile pour eux de se comporter d'une manière cohérente alors que rien ne les y contraint. Bon. Alors, vous connaissez la formule utilisée par Hobbes dans son Léviathan, hein, selon laquelle l'homme serait à l'état de nature. Un loup pour l'homme. Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. Donc, il faut bien quelque chose qui contraigne et qui empêche. Comment voulez-vous faire autrement ? Ça paraît difficile de l'envisager d'une autre manière. Moi, je veux bien que on envisage le dépérissement de l'État ou qu'on dise, on affirme avec force que l'anarchisme n'est pas l'anomie, c'est-à-dire l'absence de toute règle, mais qu'on peut se passer de l'État, mais c'est assez difficile à penser d'une manière cohérente, hein, finalement. Bon. Alors, donc, alors cette demande de sécurité, donc, elle semble légitime, parce qu'on ne peut pas vivre ensemble s'il n'y a pas un minimum de sécurisation de l'espace social. Néanmoins, aujourd'hui, cette demande de sécurité, elle est tellement puissante que ça pousse les responsables politiques à agir sous le coup de l'émotion. Alors moi, ce qui m'a frappé sous l'Ancien Régime,
La monarchie. Ce qui m'a frappé sous l'Ancien Régime, c'était... Ben oui, ça fait une semaine, on peut parler au passé. Ce qui m'a frappé sous l'Ancien Régime, c'est que on légiférait sous le coup de l'émotion. C'est-à-dire que dès qu'un événement se produisait dramatique, un fait divers, violent, hop. Alors, les criminels récidivistes, ça c'était la grande affaire de ce régime. Et donc il fallait... Alors, c'est vrai que ça pose problème. Je peux me mettre aussi à la place des victimes, bien entendu. Mais c'est jamais bon de légiférer sous le coup de l'émotion. Et si on fait une loi pour chaque fait divers qui se produit, dans quelques années, on va crouler sous les lois, ce qui fait que on ne pourra plus répondre à l'impératif qui est que nul n'est censé ignorer la loi. Donc vous avez vu que ça, c'est une tendance très forte de la société contemporaine, la multiplication des lois, on fait une loi pour tout, dès qu'il y a quelque chose qui touche, les gens... on fait une loi. Voilà, donc on fait une loi. Alors maintenant, on pourra envisager la possibilité pour quelqu'un de rester toute sa vie en prison et d'y mourir. Bon. Alors, je n'entre pas dans ce débat. Hein. Après, c'est juste. Je m'appuie juste là-dessus. Alors, donc, on entre un peu dans un cercle vicieux où les positions se durcissent, où finalement, alors qu'au départ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait légitime de sécuriser l'espace public, l'espace social. Néanmoins, ce côté anxiogène de la demande sécuritaire, et puis relevé en plus par les politiques qui viennent tout de suite, ils se déplacent, ils vont là où la chose s'est produite, ils sont là, ils sont vraiment... Voilà, donc, parce qu'ils savent que, aussi sans doute que c'est porteur sur d'autres plans. Bon, alors, peut-être que... L'ancien président était sincèrement ému, mais nous l'étions aussi de certains faits divers. Comment ne pas l'être ? Bon. Mais est-ce que c'est la bonne réponse qui a été apportée ? Ça, c'est une autre question. Parce que légiférer comme ça, on a besoin quand même de recul, de calme. C'est la raison qui doit parler, pas l'émotion, quand il s'agit de faire des lois. Ou alors on risque de se tromper, hein ? Bon. Alors. Donc... Du coup, ce côté anxiogène de la sécurité conduit à une situation où on est presque dans le spectre d'un état policier. Hein, donc il faudrait qu'il y ait des policiers partout, à chaque coin de rue. Il faudrait... Alors, est-ce que cet aspect quantitatif de la sécurité est la bonne réponse à la question légitime de la sécurité ? Je ne crois pas. Je ne le crois pas. Je ne le pense pas. Là, sans doute que ce n'est pas la bonne réponse, parce que le spectre d'un État policier, d'un État totalitaire, menace. Vous savez, si on va trop dans le sens de cette demande de sécurité, ça risque forcément de porter préjudice à ce qui, de toute façon, est toujours menacé par la sécurité, c'est la liberté. Bon. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vivre libre ? Ou est-ce qu'on veut vivre sous une surveillance permanente ? Qui peut s'effectuer à chaque coin de rue avec les caméras, etc. Donc, voilà, ça c'est des questions qui se posent. Bon. Alors donc, cette orientation, elle conduit plus à séparer les hommes qu'à les rassembler, à créer des territoires urbains, des quartiers ultra sécurisés où il fait bon vivre. Aux États-Unis, vous savez, il y a des quartiers entiers qui ont été créés, entourés de fils de fer barbelés, avec des miradors. Alors dedans, c'est le paradis. Il y a de vertes pelouses, des piscines magnifiques. On laisse sa porte ouverte. Et la clé sur le contact de la voiture, on sait que personne ne nous la volera. Bon. Donc vous voyez que... Voilà, alors d'un côté, il y a ces zones ultra sécurisées, puis de l'autre, il y a des zones de non-droit. Il y a des quartiers là-bas, je ne sais pas où, hein, des zones de non-droit, avec des habitants sans visage qui se livrent à d'obscurs trafics. Vous voyez, est-ce que ce n'est pas une manière d'opposer ça ? Parce que, du coup, elle est où la cohésion sociale là-dedans ? J'en vois pas, en tout cas, j'en vois pas.
et à l'extérieur, des frontières qui ne doivent plus rien laisser passer. On a dit qu'il fallait tout verrouiller. Cette menace permanente, comme je vous le disais dans mon introduction, d'un autre, entre guillemets, hein, qui nous menace, qui va venir de l'extérieur, bon, qui va créer des déséquilibres, qui va représenter une menace pour la civilisation, pour l'emploi et pour la vie tranquille de ses habitants. Rousseau dit d'ailleurs, on vit aussi tranquille dans les cachots. Est-ce une raison pour s'y trouver bien ? Alors, donc, cet aspect des choses renvoie à une menace sourde qui caractérise les sacrifices que l'on va être obligé de consentir pour accéder à ce sentiment de sécurité. Et, comme je le disais à l'instant, peut-être que cela va se faire justement au détriment de notre liberté. C'est peut-être que le prix de la liberté est de risquer finalement que cette liberté conduise à certains débordements. Alors, c'est une question de mesure. Si on verrouille trop la liberté, ben voilà, on a la tranquillité, mais dans les cachots aussi, on vit tranquille. Et si la liberté sans borne, sans limite, eh bien peut-être qu'elle peut conduire à des débordements. Mais de toute façon, Kant nous a prévenus là-dessus. La liberté, c'est toujours un risque. Si on n'accorde pas aux hommes un minimum de liberté, si on ne leur fait pas confiance, eh bien du coup, ils n'évolueront pas. Ils ne seront pas capables d'en faire un bon usage. Et puis, donc, cette tranquillité que nous promet la sécurité, comme je le disais aussi tout à l'heure, elle peut être génératrice d'ennui, elle peut procurer un sentiment de vide qui même pourrait préfigurer la mort, d'ailleurs. Et Pascal, dans les pensées, alors ça, c'est, je m'en suis souvenu quand je travaillais cette question de la sécurité, écrit, il y a une des pensées de Pascal, il dit que finalement, il est plus difficile pour un homme de rester ou de demeurer en repos dans une chambre que de risquer sa vie dans des aventures insensées. Parce que en repos dans sa chambre, on est confronté à soi-même, on est confronté sans doute à ce vide existentiel. L'ennui n'étant rien d'autre, si vous voulez, que le poids de mon existence que je ressens peser sur mes épaules, parfois peut-être comme une chape de plomb. Alors, j'ai peut-être parfois intérêt à me perdre dans le divertissement, pour m'oublier moi-même. Bon, alors, les partisans de la sécurité, et c'est dans le deuxième moment de cette première partie, c'est ce que je vais aborder. Là, c'est la question du fondement politique et philosophique éventuel de la sécurité. Les partisans de la sécurité disent « nous avons notre champion ». Ce champion, c'est Thomas Hobbes, qui serait le théoricien de la sécurité, qui aurait fait de la sécurité une fin politique, une finalité politique, une fin politique. C'est-à-dire que ce vers quoi tend la politique, c'est la sécurité. Alors, est-ce qu'il y a, quand on lit Hobbes, cette perspective ? Est-ce qu'on peut dire que la philosophie de Hobbes légitime la demande sécuritaire ? Est-ce qu'on peut trouver donc ce fondement à la fois philosophique et politique chez Hobbes ? Alors, bon, qu'en est-il chez Hobbes exactement ? Alors déjà, c'est vrai qu'on trouve chez Hobbes un fondement politique de la sécurité. Hobbes, c'est un philosophe étonnant. Enfin, vraiment, c'est le premier théoricien de l'État moderne, Thomas Hobbes. C'est un philosophe du XVIIe siècle, et c'est lui le premier qui a jeté les bases de l'État moderne. Il y a une vraie pensée politique de l'État moderne chez Hobbes. Alors, Hobbes fait de la sécurité, et ça c'est incontestable, le préalable de la vie sociale. Mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de vie sociale sans sécurité, donc jusque-là, il n'y a rien qui soit choquant. En tout cas, on ne voit pas ce qui pourrait
donner du grain à moudre, si vous voulez, aux partisans d'une sécurité sans faille. Donc, en fait, Hobbes envisage de créer l'État par contrat parce que, à l'état de nature, comme je l'ai dit tout à l'heure, les hommes se livrent une guerre perpétuelle, écrit-il, de chacun contre chacun. C'est-à-dire que, à l'état de nature, règne une violence perpétuelle. Alors, cet état de nature, il est à noter que c'est une sorte de projection ou de fiction. Hein. C'est-à-dire que Hobbes imagine ce que serait la vie des hommes s'il n'y avait rien pour les contraindre. À l'état de nature, c'est-à-dire que dans une situation où, au fond, ils auraient une liberté absolue de faire ce qu'ils veulent. Or, comme tout le monde est placé dans le même cas, si tout le monde peut faire ce qu'il veut, alors rien n'est assuré. Et les hommes vivent dans la crainte perpétuelle d'être agressés. La vie humaine serait courte, brève, violente, et on ne pourrait jamais aller, elle ne pourrait aller jamais aller jusqu'au bout, cette vie, parce qu'elle serait constamment sous la menace d'une mort violente au moment où je m'y attends le moins. Alors c'est vrai que dans une telle perspective, on ne peut rien construire. Le fruit de notre travail n'est pas assuré, puisque ce que je produis, un autre peut me le prendre s'il a la force de le faire. Il n'y a aucune garantie de quoi que ce soit. Et donc, Hobbes envisage la création de l'État comme une sorte d'instance contraignante. C'est un homme artificiel, l'État, pour Hobbes. Il est constitué de tous les droits individuels que les hommes décident de lui céder à un moment donné et desquels il va s'augmenter pour devenir extrêmement puissant. Dans le frontispice du Léviathan, on voit une image, c'est une image, donc on voit un monarque au premier plan qui domine de toute sa stature et de sa puissance un territoire qui est devant lui, et il tient dans sa main gauche, un sceptre et dans sa main droite une épée. Et quand on regarde de plus près, le corps de ce monarque est constitué d'une multitude de petits hommes qui renvoient à l'idée que c'est en contractant que les hommes créent l'État de toutes pièces. Un homme artificiel mais beaucoup plus puissant que tous les hommes existants et beaucoup plus fort que le plus fort des hommes. Capable, à l'image du grand Léviathan, ce monstre biblique qu'on trouve dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament, qui tient les hommes en respect, qui les terrorise d'une certaine manière, mais qui empêche tout débordement. Alors donc, Hobbes envisage par contrat la mise en place d'une sorte de souveraineté politique absolue dont la raison d'être est d'instituer un état de sécurité commune et réciproque. Voici ce qu'écrit Hobbes, un petit passage extrait des éléments de loi, pas du Léviathan. « La fin, écrit Hobbes, pour laquelle un homme abandonne le droit de se protéger et de se défendre par sa puissance propre et pour laquelle il s'en dessaisit au profit d'un autre ou des autres est la sécurité qu'il attend par ce moyen d'être protégé et défendu par ceux au profit de qui il se dessaisit ainsi de ce droit. Et un homme peut compter qu'il est dans l'état de sécurité lorsqu'il peut prévoir qu'aucune violence ne lui sera faite, dont l'auteur ne serait empêché par le pouvoir de ce souverain à qui les hommes se sont tous assujettis. » Voilà. J'accepte d'être assujetti à l'État, mais en contrepartie, j'attends qu'il me protège. Et en l'absence de cette sécurité, il n'y a aucune raison pour qu'un homme se prive de ses propres avantages et fasse de lui-même une proie pour les autres. Autrement dit, tant que ma sécurité n'est pas assurée, eh bien j'ai le droit de me défendre par tous les moyens qui sont à ma disposition, y compris par la force et par la ruse. Mais justement, pour éviter ça, il faut créer l'État. Et c'est l'État qui va empêcher, justement, que la société ne se détruise de l'intérieur, qui va obliger les hommes à respecter un certain nombre de règles, de lois, et il pourra les y contraindre par tous les moyens. Il pourra leur infliger des punitions et jusqu'à la mort s'il n'y a rien à faire. Voilà. Alors, donc,
Ainsi, ce grand Léviathan qui est l'État va tenir les hommes en respect parce qu'il inspire la crainte, voilà, et que d'une certaine manière, cet État est bien une fin politique. C'est ça qui est visé par la politique, c'est d'instaurer d'abord une sécurité. Si, pour Hobbes, le pouvoir souverain n'est pas assujetti aux lois qu'il édicte, il doit pourtant se plier impérativement, écrit Hobbes, à assurer le salut du peuple. Et là, c'est intéressant parce que justement, on pourrait dire et reprocher à Hobbes, ben voilà, monsieur Hobbes, tout ça est bien beau. D'ailleurs, c'est une objection qu'on lui a faite. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dérive absolutiste dans votre manière de concevoir l'État ? On dit, est-ce que la puissance de l'État ne peut pas devenir telle qu'elle écrase les hommes et que ceux-ci, finalement, ne puissent plus rien faire puisqu'ils sont sous cette tutelle extrêmement puissante de l'État et que donc ils n'ont plus aucune marge de manœuvre. Ils pouvaient tout faire, ils étaient absolument libres à l'état de nature et quand ils passent à l'état social, ils ne le sont plus du tout. Je ne crois pas. Alors, je réponds tout de suite, je ne crois pas que lire Hobbes de cette manière soit une bonne lecture de ce philosophe. C'est pas une bonne lecture de ce philosophe parce que, comme je viens de vous le dire, le salut du peuple est, pour l'État, aussi la condition de son propre salut. On retrouve une orientation machiavélienne ici. On trouve ça chez Machiavel, dans Le Prince. Machiavel explique que le prince... Si la fin justifie les moyens, si finalement il peut utiliser des moyens que la morale réprouve, c'est pour le salut de son peuple. Il préfère, écrit Machiavel, le salut de son peuple au salut de son âme. Voilà. Ça, c'est très Machiavel. Hein. Bon. Alors, finalement... Le salut du peuple, comme je viens de le dire, est aussi son propre salut. C'est un intérêt bien compris. La sécurité est au service du bien-être, chez Hobbes. La commodité des citoyens, écrit-il, qui concerne uniquement cette vie-ci, peuvent se répartir en quatre genres. Le premier, qu'ils bénéficient d'une défense contre des ennemis extérieurs. L'État va l'assurer. Le deuxième, que la paix intérieure est préservée. La paix intérieure. Le troisième, qu'ils s'enrichissent autant que cela est compatible avec la sécurité publique. Étonnant, ça. Le quatrième, qu'ils jouissent d'une liberté inoffensive. Alors, donc, vous voyez que le terrain de la liberté n'est pas déserté par Hobbes. Alors, une liberté inoffensive, c'est une liberté qui ne porterait pas atteinte à autrui. Mais ce qui me frappe, c'est quand même la troisième proposition. Qu'ils s'enrichissent autant que cela est possible avec la sécurité publique. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans, dans cette formule ? Alors oui, je crois que le libéralisme n'est pas très loin. Hein. Locke reprendra cette thématique. Et on comprend quoi avec finalement Hobbes ? Hobbes n'est pas ce chantre de l'absolutisme qu'on a voulu... On a voulu parfois le présenter comme... un partisan d'un État totalitaire, tellement fort qu'il devient totalitaire. Non, je crois que l'idée de Hobbes, elle est très simple. La sécurité, en réalité, c'est une fin politique, mais c'est un préalable, une condition sine qua non pour qu'on puisse entreprendre des choses. Parce que dans une situation où la sécurité n'est pas assurée, on ne peut rien faire, puisqu'on va être dépouillé de tout ce qu'on a pu produire par notre travail aussitôt qu'on l'a produit. C'est pas possible. Donc... la sécurité, oui, c'est bien ce qui est visé d'abord, parce que sans sécurité, rien n'est possible. Mais avec la sécurité, la civilisation, la culture se développe. Les entreprises individuelles, les désirs peuvent enfin être satisfaits. Et les hommes, par leur initiative, par leur... Alors c'est très libéral, j'en conviens, c'est Hobbes. Par leur travail, vont réaliser des choses, vont créer... un monde qui était inenvisageable sans sécurité. Donc vous voyez que Hobbes n'est pas... on ne peut pas se revendiquer de Hobbes quand on est le partisan d'une sécurité implacable, d'un tout sécuritaire. Ceux qui disent ça,
non pas lui Hobbes. C'est tout simple. Voilà. Voilà, donc, alors, là je fais maintenant ma transition vers la deuxième partie. Ce bien-être et la sécurité n'est qu'un préalable finalement ou la condition de la poursuite du désir, comme je le disais à l'instant. La question qui va se poser ici, c'est de savoir donc si les problématiques contemporaines de la sécurité peuvent se prévaloir de Hobbes. Nous venons de montrer que la position de Hobbes est beaucoup plus subtile que la caricature qu'on en fait parfois, et que le thème de la peur dont on parlait tout à l'heure, qui est très présent aujourd'hui, n'existe pas chez Hobbes. Par ailleurs, le fait qu'on ne puisse pas vraiment se revendiquer de Hobbes aujourd'hui, c'est aussi parce que le monde a changé. C'est-à-dire que le schéma... Alors, j'ai dit que c'était le théoricien de l'État moderne, mais depuis le XVIIe siècle, les choses ont beaucoup changé. On vit aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, dans un monde globalisé, dans un monde qui a fait disparaître les frontières, en passe de se liquéfier, j'aimais bien cette expression, où les frontières disparaissent, où la circulation généralisée de flux incontrôlés peut générer de l'insécurité, d'où donc cette crispation et cette demande de territoire sécurisé qui permettrait d'atténuer donc cette angoisse, qui est une angoisse très contemporaine. L'angoisse, c'est une peur de la peur. J'ai peur d'avoir peur. C'est ça l'angoisse qui frappe donc l'homme contemporain. Alors, est-ce que cette demande donc, de territoire sécurisé permettrait d'atténuer cette angoisse? Le peut-elle vraiment? Eh bien, nous allons voir maintenant. Nous allons voir maintenant dans la deuxième partie que j'ai intitulée « La dialectique de la sécurité et de l'insécurité ». Pourquoi ? Eh bien parce que, vous allez voir, que paradoxalement, la sécurité peut engendrer de l'insécurité. Et que ce qu'on gagne, qu'on croit gagner sur un plan, on peut le perdre sur un autre plan. Que donc, d'une certaine manière... de la sécurité ici engendre ailleurs ou à un autre niveau de l'insécurité. On est dans une sorte de dialectique permanente, sécurité-insécurité. C'est jamais un acquis définitif, la sécurité. Encore une fois, ça engendre aussi, ça a des conséquences souvent qu'on ne prévoyait pas. Il semble que le souhait de sécurité, donc, produise paradoxalement de l'insécurité. Moi, ça m'a frappé. Le déploiement de la force, au moment de l'affaire Mera. C'est bien que Mera ait été arrêté, hein, empêché de nuire, ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. Mais ce déploiement de force, sa monstration, la monstration de la force, elle a fait aussi peur que Mera lui-même. Ces hommes cagoulés, armés jusqu'aux dents, le raid, qui donne l'assaut, une extrême violence, on a vu des images. Finalement, est-ce que ça ne génère pas aussi un sentiment d'insécurité, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'on pourrait peut-être être un jour nous-mêmes. J'ai la conscience tranquille, rassurez-vous. Mais peut-être qu'un jour, on entendra les coups de boutoir de l'outil dont se servent les forces du raid pour défoncer notre porte. En tout cas, un sentiment de malaise quand même. Un sentiment de malaise. Alors on objectera donc... sans doute que ce qui compte, c'est d'avoir un sentiment de sécurité. Se dire que le raid existe, ça introduit, alors, non pas peut-être une sécurité en tant que telle, mais un sentiment de sécurité. On sait, finalement, qu'on est protégé d'une manière assez efficace. Voilà. Alors, on a beau avoir cette protection, à un moment donné, on rentre chez soi, on ferme la clé sa porte. Et si le danger ne venait pas de l'extérieur, mais qu'il venait de l'intérieur? Savez-vous que 80%, alors j'espère que je ne me trompe pas dans ce chiffre, des meurtres qui se produisent sont le fait de proches, de membres de la famille qui tue, qui viole. 80%. Donc on pense, oulala, l'insécurité, il y a des tueurs partout. On risque sa vie au coin de la rue,
comme au Moyen Âge. Au coin du bois, on pouvait trouver un brigand qui pouvait nous dépouiller, nous tuer. Et là, c'est incroyable, ce chiffre. La plupart des agressions et des meurtres se produisent dans le cadre du cercle familial. Familial. Donc, ça ne sert à rien de s'enfermer. Puisque chez nous, puisque quand nous fermons la porte, l'ennemi est encore là. Là où on ne l'attendait pas, son proche, son mari, sa femme. Alors je vous ai sélectionné une scène absolument incroyable d'un film, choc. Il s'agit de Shining, un film de Stanley Kubrick qui a été tourné en 1980. Je passe sur la dimension fantastique du film. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette idée. Voilà que Shining, c'est un film qui se déroule dans un hôtel coupé du monde pendant l'hiver, et il y a un homme, sa femme et son fils qui se proposent d'être gardiens de ce lieu immense qui est coupé du monde pendant l'hiver, et donc pendant 3 mois, ils sont enfermés là-dedans. Et à l'extérieur, la menace, effectivement, c'est une zone comme ça, l'hiver, le loup qui rôde. Bon, eh ben non, c'est dans cet espace fermé, sécurisé par rapport à l'extérieur, que le pire va se produire. Pire. Et c'est donc, là, la menace se précise. La bête, elle n'est pas dehors, elle est tapie. Dans l'âme de cet écrivain, il est là, il se dit, c'est super, je vais passer 3 mois, je vais écrire mon roman. Et puis il commence à écrire. Et à un moment donné, ça dérape. Et il commence à écrire, il écrit toute la journée. Qu'est-ce qu'il tape sur sa machine? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Sur des pages et des pages. Et puis... Alors vous allez voir, ça c'est l'affiche du film, regardez la tête de Jack Nicholson. Extraordinaire. Mieux, je vous propose un extrait. Chinny chin chin. Then I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in. On met de l'ambiance.
Est-ce, avouez que ce matin en venant, vous n'attendiez pas à voir une pareille scène. Alors, c'est effectivement, c'est typiquement ça, vous voyez, c'est la femme et le mari. Et la femme essaye d'échapper à son mari, qui se laisse aller à ses démons intérieurs. Il y a quelque chose qui le hante et qui s'exprime là, brutalement. Ça sort d'un inconscient indéterminé. Alors, je passe encore sur l'aspect fantastique du film. Si vous avez l'occasion de tomber sur le DVD de Shane Meek, regardez-le. Franchement, ça vaut le coup. C'est un film... Alors, ça fait peur. C'est effrayant. Mais je vous rassure, ça se termine mieux que ne le laisse présager la scène qu'on vient de voir. Sécurité. Sécurité. Alors, voyez, on n'est même pas en sécurité dans sa famille. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Comment on a beau s'enfermer à double tour, ben, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Bon. Alors... Je vous propose un deuxième, alors c'est un peu moins effrayant, mais à peine, vous allez voir. Et c'est un film auquel j'ai pensé en préparant l'exposé de ce matin, c'est ce film. Alors c'est autre chose, c'est un film de SF, de science-fiction, qui est très prisé par les amateurs du genre. Ce film s'appelle Planète Interdite, et qui a été réalisé en 1956 par Fred MacLeod Wilcox, un obscur metteur en scène hollywoodien, hein. Mais c'est un film. Alors pourquoi est-ce que... Alors là aussi, de quoi s'agit-il? Alors, Planète Interdite, l'action du film, je vous la décris très rapidement, se déroule en... alors c'est juste une précision, c'est étonnant, c'est une transposition SF de La Tempête de Shakespeare. Pour ceux qui connaissent, La Tempête de Shakespeare, c'est une pièce, l'histoire de la pièce, c'est un vaisseau qui s'échoue sur une île habitée par Prospero et sa fille Miranda, qui n'a jamais vu d'homme autre que son père, et de sa vie. Et donc, ils sont assistés par un serviteur qui s'appelle Ariel, et qui correspondra dans le film, vous allez le voir, à un robot, qu'on voit sur l'affiche du film. L'action donc se déroule en 2257. Vous voyez, c'est très précis. Le croiseur spatial C-57D du commandant Adams se pose sur la planète Altaïr 4 pour secourir le Bellérophon, un vaisseau d'exploration dont l'équipage n'a plus donné signe depuis 19 ans. Sur place, que découvre l'équipage? Il n'y a que deux survivants, le docteur Morbius et sa fille Altaïra. Ils sont assistés par Robbie le robot. Ceux-ci lui apprennent qu'une mystérieuse force invisible a tué un à un tous les membres de l'expédition et que la planète recèle des vestiges d'une civilisation hautement évoluée, les Krell. Alors, un monstre invisible est responsable de la disparition des membres de l'expédition et va s'attaquer à ceux qui viennent pour secourir l'expédition s'est posée sur la planète 19 ans auparavant. Et donc, ils vont être attaqués par un monstre, mais invisible. Alors là, vous voyez que la peur aussi, elle pourrait venir de l'extérieur, ce monstre. On va dresser des barrières pour se protéger, mais vous allez voir qu'en réalité... ce monstre ne vient pas de l'extérieur. C'est ça qui fait l'originalité du film. Je vous propose un premier extrait, Kitsch à souhait, vous allez voir. Années 50 oblige. C'est le côté shakespearien, vous allez voir, c'est très amusant. Le père, en fait, a empêché, semble-t-il, sa fille d'avoir tout contact. Il dit, ouais, peut-être qu'il faudrait qu'elle aille sur Terre... Mais apparemment, il y a une orientation psychanalytique dans cette histoire. Hein. Je vous laisse juger, vous allez voir. Papa. Alta, je t'avais bien spécifié de ne pas assister au déjeuner. Papa, le déjeuner est terminé. Jamais j'en suis persuadée, tu ne m'as défendu de venir prendre le café. C'est exact, oui ou non? Voici le commandant Adams, le docteur Nostro et
le lieutenant Farman. Enchanté. J'avais depuis toujours une envie folle de voir un jeune homme et en voici trois en même temps. Vous êtes l'amabilité même. Vous êtes ravissant, docteur. Les deux autres sont d'une beauté invraisemblable. Est-ce que l'un des deux autres peut vous servir le café? Je sais me servir toute seule, merci. Merci. Oh, messieurs, je vous demande d'être indulgent pour ma fille. Naturellement, elle n'a jamais rencontré d'homme depuis qu'elle est née, sauf son père. Et j'espère que vous serez indulgent, vous aussi. Pensez que nous sommes restés bouclés dans l'hyperespace, monsieur, pendant plus d'une année. Et vraiment, la vue qu'on a d'ici est ravissante. Du sucre? Vous tenez absolument à m'aider? Pourquoi vous n'êtes pas Robbie? Ça ne me déplairait pas d'être Robbie dans un sens. Dans un certain sens seulement, ça va de soi. Ça doit être probablement spirituel, mais j'avoue que je n'y comprends rien du tout. Mais rien... rien ne presse. Oui, je crois qu'un jour prochain, je vais être contraint de faire avec elle un voyage sur Terre pour le plus grand bien de son évolution, son épanouissement. Il serait temps. Oui. Alors, le monstre invisible. Vous allez voir cette scène assez spectaculaire. Qu'y a-t-il, Randall? Le radar vient de détecter quelque chose. À quelle distance? À l'entrée du ravin. Se déplaçant? Dans notre direction, lentement. Quoi? Ça vient de s'immobiliser à l'entrée du chemin. Êtes-vous sûr d'avoir une bonne visibilité? C'est grand comme une maison, nous avons mis en plein dans le mille à deux reprises. Ça recommence à avancer. Droit devant nous? Oui, d'après l'écran. Ça avance toujours. Gray, Strong, croisez vos feux sur ces rochers. Attention! Commandant, cette maudite chose est invisible! Donc, juste pour terminer sur le monstre invisible qu'on vient de voir, en réalité, on pense que c'est une menace qui vient de l'extérieur, mais ce monstre, en fait, est engendré par la pensée du docteur Morbus, qu'on voit d'ailleurs à la fin de cette scène. Il est épuisé, et donc, en fait, ce monstre, il est tapis à l'intérieur de lui-même, et il se manifeste par l'intermédiaire de la puissance technologique des Krell, qui font relais, si vous voulez. C'est comme s'il arrivait à extérioriser un monstre qu'il porte en lui, si vous voulez. Voilà. Et qui donc est tellement puissant que rien ne peut l'arrêter. Et à la fin du film, ils sont enfermés dans une sorte de bunker avec une porte blindée avec un acier spécial fabriqué par les Krell qui est absolument indestructible. Et le monstre arrive. Alors que normalement la porte doit résister, et ben elle cède petit à petit sous les assauts, et donc le docteur va être rattrapé par le monstre qu'il a lui-même engendré. On est sauvés. Pourquoi avez-vous modifié la combinaison? Parce que si vous en connaissez le secret, votre moi jumeau dans le tunnel le connaît aussi. Je ne suis pas un monstre! Et qui n'est pas un monstre dans son subconscient? C'est pour ça qu'il y a des lois et des religions. Lâchez-moi donc! Est-ce que vous m'accuseriez de nuire à ma fille aussi? Oui. Maintenant, elle vous défie, Morbus. Même dans l'âme du père affectueux que vous êtes, la brute primitive continue d'exister, plus enragée, plus irritée à chaque nouvel échec. Elle
Elle est faite d'acier crêle de 40 cm d'épaisseur. Regardez vos jauges. Regardez. Cette machine continuera à fournir toute la puissance dont votre monstre a besoin pour arriver à nous atteindre. Elle est au rouge. Bientôt, elle sera chauffée à blanc. Ensuite, elle s'amollira et fondra. Quelle honte! Coupable! Mon double diabolique est derrière cette porte et je n'ai pas le pouvoir de le repousser! Alors, donc, on va passer à la troisième partie. Donc, vous voyez, en fait, on ne se protège plus en gardant les frontières. Ça ne sert à rien de blinder par rapport à l'extérieur, puisque l'insécurité peut éclater à chaque instant et qu'elle réside dans la perte de contrôle des individus, comme on l'a vu avec Shining, comme on le voit ici. Finalement, le monstre est tapis en nous. Et ça, c'est ce que Freud avait bien signalé dans son livre « Malaise dans la civilisation ». Il montre que la culture, finalement, s'est édifiée d'une manière négative dans le renoncement aux pulsions. Donc, en fait, c'est bien par rapport aux individus eux-mêmes qu'il va y avoir une problématique de sécurité, parce qu'il s'agira justement d'empêcher ou de limiter l'expression des pulsions par un effort disciplinaire qui consistera à refouler une agressivité toujours affleurante. Freud montre dans Malaise dans la civilisation que finalement la civilisation n'est qu'un vernis qui peut craquer à chaque instant. C'est-à-dire qu'en nous, il y a une dose de violence originaire qui ne tient que par la répression des pulsions, que par une discipline qu'on s'impose. Vous voyez que ça, c'est un risque permanent. Donc vous voyez que la problématique de la sécurité, elle n'est plus ici l'idée de mettre en place des dispositifs qui empêchent des choses, mais en nous, par un travail sur soi qui va consister justement à éviter que certaines choses ne s'expriment. Troisième moment de mon exposé et dernier, je vais aller vite maintenant, excusez-moi, j'ai pris un peu de temps. Donc, une nouvelle pensée de la sécurité qui serait adaptée au monde moderne, parce que c'est vers ça que je tends dans cet exposé, essayer de voir quelle pensée de la sécurité pourrait être le mieux adaptée au monde moderne. Eh bien, je dirais qu'on a déjà une première réponse à cette question, qu'elle va consister dans une connaissance intime de l'individu, comme le fait Freud. La psychanalyse est bien une science humaine qui permet de comprendre certaines orientations intimes que nous portons en nous, qui relèvent de dispositifs inconscients, d'accord, qu'il s'agit de connaître, ou d'en connaître la teneur. En tout cas, cette connaissance permettra peut-être d'éviter le pire, justement, et de faire en sorte que les choses se tiennent à peu près. Donc, Foucault, dans Surveiller et punir, le dit. Il explique justement que l'enjeu, aujourd'hui, pour les sciences humaines, c'est de connaître l'individu pour le discipliner. Et même de mettre en place un système de prévention, qui pourrait, tenez-vous bien, aller peut-être jusqu'à empêcher le crime au moment où il va se produire. Écoute donc, l'objectif n'est pas d'arrêter le meurtrier, c'est trop facile ça. L'objectif, c'est d'arrêter la personne qui s'apprête à commettre un crime. Alors ça, c'est le summum de la prévention. Il y a un film
qui explore cette perspective. Vous l'avez, c'est le film de Spielberg, Minority Report, que vous avez peut-être vu. Alors juste une petite minute quand même, c'est le trailer, la bande-annonce. La bande-annonce de Minority Report, l'affiche, Tom Cruise, hein, omniprésent dans ce film. C'est un film hollywoodien. Hein. Alors, juste le trailer. Pas un seul meurtre en 6 ans. Tout fonctionne bien dans ce système. Il est parfait, je suis d'accord. Dites-moi exactement ce que vous cherchez. Les failles. Vous n'avez jamais eu de faux indices ? Il m'a piégé ! Il m'a piégé ! Qui est la victime ? J'ai jamais entendu parler de lui, mais je suis censé le tuer dans moins de 36 heures. Pas de geste brusque, chef. John. Alors ne me poursuivez pas. Alors ce film incroyable, il renvoie l'idée, donc la sécurité, pour vivre en sécurité, il faudrait empêcher le crime au moment où il se produit. Et non pas plus seulement arrêter le criminel. Mais alors, il y a quand même une question que pose le film Minority Report. Il y a des sortes de précogs, ils appellent ça dans le film, qui prédisent l'avenir et qui orientent donc les forces de la sécurité. Mais vous avez vu que l'histoire du film, c'est lui qui va être poursuivi à son tour après avoir traqué les autres. Donc, la question, s'il pose une question philosophique qui est celle-ci. Le futur est-il écrit ou le libre arbitre, les choix peuvent-ils justifier celui-ci ? Un des paradoxes du film, c'est que peut-être que la possibilité de prédire l'avenir engendre ce qui va se produire et que finalement la possibilité donc, de prévoir les meurtres à l'avance, c'est peut-être aussi ce qui va les déterminer. Donc, est-ce qu'on peut changer l'avenir en le connaissant ou est-ce qu'on ne le peut pas ? Est-ce que c'est irrémédiable ? C'est ça la problématique du film. Le crime existerait-il, finalement, si on ne tentait pas de l'empêcher ? C'est complètement paradoxal. Mais c'est peut-être ce système-là qui, finalement, contribue aussi à engendrer le crime et qu'il n'existerait pas, justement, si on ne tentait pas de l'empêcher. Donc, c'est une perspective qui reste vraiment totalement utopique et que, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas de prévision qui puisse être parfaite. Et donc, par conséquent, ça ne reste que quelque chose qui relève de la science-fiction, hein, justement. Et les dispositifs de prévention par rapport à la sécurité, finalement, ne fonctionnent pas aussi bien qu'on pourrait le penser. Et ils peuvent même, comme on vient de le voir, engendrer aussi ce qu'ils sont censés combattre. Foucault, dans son cours qui s'intitule « Sécurité, territoire, population », on va arriver à la conclusion, pas encore, mais on y arrive, montre qu'en fait, ça c'est vraiment intéressant, il montre que les politiques de sécurité actuelles rompent avec l'idée de prévention qui semble utopique, comme on vient de le voir, pour entrer dans le cadre du principe de précaution. Donc, c'était l'intitulé de ma troisième partie, hein, la troisième partie que j'ai donc intitulée, que j'ai intitulée, vers de nouveaux dispositifs de sécurité. On vient de voir
la notion de prévention illustrée par le film de Spielberg. Et Foucault, dans un article, dans un cours plutôt qu'il a prononcé au Collège de France, qui s'appelle « Sécurité, territoire, population », montre que les politiques de sécurité actuelles mettent en place un certain principe de précaution qui repose en fait sur un calcul du risque. Par exemple, je le donnais dans l'introduction, la vaccination ou encore les ondes électromagnétiques, on arrête les bornes Wi-Fi au nom du principe de précaution, au cas où, on n'en est pas sûr scientifiquement, ben ça provoquerait, ça serait nuisible pour la santé. Donc pour Foucault, on est dans cette nouvelle orientation de la sécurité qui tourne autour justement du principe de précaution. On n'est plus dans un système où l'État en charge la police entraînée à assurer l'ordre public, mais dans une pratique libérale de la gestion des flux et du calcul des coûts. Il ne s'agit plus de prévenir le danger, paradoxalement, ni de l'empêcher, mais de le neutraliser, en l'intégrant dans des statistiques qui le limitent et qui le freinent. Un exemple que j'ai déjà évoqué, la vaccination. On ne cherche pas à empêcher la maladie avec la vaccination, ni à prévenir son apparition, mais on l'inocule et on la laisse faire. On calcule ses chances d'apparaître. On compare les coûts des soins et des vaccins. On introduit un facteur risque. Risque que le vaccin ne fonctionne pas ou qu'il y ait des effets secondaires chez certaines personnes qui conduisent à la mort. Ça arrive dans certains cas avec la vaccination. Mais donc, c'est un calcul du risque. Et donc, la sécurité dans les sociétés contemporaines tendrait à aller dans cette direction. Une épidémie devient donc, dans une telle perspective, un problème économique et cesse d'être un fléau et une incarnation de la dangerosité. Alors, ce n'est plus donc ici, si vous voulez, comme chez Hobbes, l'autre qui menace, ni la dangerosité d'autrui, ni la peur de l'autre, donc, ni même l'imprévu ou le surprenant, quelque chose qui arrive qu'on n'attendait pas, mais tout ce qui est exceptionnel sur le plan statistique. Autrement dit, quelque chose qui n'entre pas justement dans ce cadre statistique. Bon, alors le risque est désubjectivé, il est tremblement de terre ou attentat, guerre ou grippe, etc. L'aléatoire est la figure moderne de l'insécurité. Cette dernière n'est pas supprimée, mais intégrée. Alors ça, c'est pas mal. L'insécurité est intégrée dans le calcul du risque. Ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est typiquement, comme le montre Foucault, ce qui se produit dans les sociétés contemporaines. Enfin, une conclusion qui va essayer de donner une solution, peut-être, par rapport à ce que pourrait être la sécurité dans le monde contemporain. Je crois que le principe de précaution est une bonne idée. Simplement, il ne doit pas reposer sur le calcul cynique du coût. Il ne doit pas être un simple calcul. Il doit être plutôt une projection raisonnée vers l'avenir. Et ça, c'est un philosophe allemand qui le montre dans un livre qui a fait date, qui s'appelle « Le principe responsabilité », qui commence par cette question « Pourquoi l'humanité doit-elle exister ?» La question semble aller de soi, dans la mesure où l'homme est un être vivant, explique Jonas, et en tant qu'être vivant, il a une valeur absolue. Pourtant, explique-t-il, son existence aujourd'hui n'est plus assurée et elle est menacée. Elle est menacée par des risques que l'homme a lui-même engendrés, des risques liés à la technique, dont apparemment on nous dit qu'il n'a rien à craindre, qu'on fait par exemple l'énergie nucléaire, mais dont l'accident récent de Fukushima vient nous rappeler que justement, ce risque aurait dû être au départ pris en compte et ne pas conduire à la construction des centrales nucléaires. On le savait qu'il y avait ce risque, on l'a fait. L'idée de Jonas, c'est de mettre en place une éthique de la responsabilité qui consiste justement à réfléchir à toutes les hypothèses possibles par rapport à la mise en œuvre, par exemple, d'une technique. Et toujours se centrer sur l'hypothèse la plus pessimiste pour agir. S'il y a un risque aussi minime soit-il d'accident, qui porte atteinte à l'environnement, à la vie des hommes, etc., comme la centrale de Fukushima l'a montré, alors on ne le fait pas. Alors on ne le fait pas. C'est une éthique des temps modernes à laquelle nous convie Jonas,
dans le principe de responsabilité. C'est vers ça qu'il veut tendre. Il faut inventer cette éthique parce que nous ne sommes pas seulement, dit-il, responsables par rapport aux autres hommes qui sont autour de nous, avec lesquels nous vivons. Nous sommes responsables par rapport aussi à ceux qui ne sont pas nés, dit Jonas. C'est-à-dire que notre responsabilité n'est pas seulement une responsabilité ici et maintenant, mais une responsabilité par rapport à ceux qui ne sont pas encore nés. Ça, c'est vraiment très intéressant et très nouveau. Et donc réfléchir par rapport à ça, et non plus égoïstement par rapport à nous-mêmes, à ce qui serait notre intérêt immédiat, mais par rapport au monde que nous voulons laisser, dit Jonas, demain à nos enfants. Et oui, je termine par une petite citation du principe de responsabilité. Le Prométhée définitivement déchaîné, référence au mythe de Prométhée, auquel la science confère des forces jamais encore connues, et l'économie, son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l'homme de devenir une malédiction pour lui. Et je crois que c'est ça la meilleure des sécurités, que l'homme soit capable de mettre en œuvre cette éthique de la responsabilité, c'est-à-dire une projection raisonnée vers l'avenir pour préparer un monde qui n'est pas seulement le nôtre, mais qui sera aussi celui de ceux qui vont venir après nous et auxquels, même s'ils ne sont pas nés, il faut penser. Je vous remercie.